situation est bien inspirée. C'est joli en tout cas. Oui, au pire, tu feras un TP sur nous. Non, non, je vais me démerder, je vais me démerder. Roulez les enfants, roulez les enfants. Eh, je connais ce monstre, je l'ai vu dans Skyrim, lol. Écoute, c'est comme ça qu'on commence, hein, mon gars. Incroyable. Non, okay. En vrai, je l'ai vu dans Oblivion, alors. Une pierre rune. un vrai joueur, il joue à Oblivion. Le mec, craft, il a pas commencé à Daggerfall, quoi. Ou à Arena. Arena, à la rigueur, commencer à Daggerfall, ça se pardonne, parce que Arena était vraiment ancien et vieux et moche. Mais il était super sympa, quand même. Moi j'aimais bien, c'était très... Mais fouille ce truc pour trouver des... Ben non, pour le coup, j'avais jamais commencé un Elder Scroll avant Oblivion. Morrowind, je l'avais... En fait, j'avais Oblivion, j'ai voulu installer Morrowind, mais c'est après avoir joué Oblivion, et je trouvais que les graphismes piquaient un peu trop. Ils piquent, c'est vrai, mais honnêtement, le fait qu'il y a un truc qui s'est passé dans Oblivion par rapport à Morrowind qui a baissé grandement, à mon âme la vie, la qualité RPGique de la saga, ce sont les voix. Parce que le doublage vocal dans Oblivion, quand tu parles à quelqu'un, le force à te dire trois phrases du genre « Bonjour, je suis Ralus Alil, je suis le chef de la guilde des compagnons. Nous avons un problème au nord d'ici. Vous pourriez y jeter un coup d'œil ?»« Oui. » »« Non. » »« Très bien. Alors je vous retrouverai au truc du chat du sommet qui tousse. Des bisous. » Et puis voilà, ça se termine. Mais le truc en fait, c'est que tu peux pas... Alors que dans Morrowind, il y avait des pages de texte et tu pouvais utiliser des mots-clés. C'est-à-dire il y avait des mots qui brillaient dans le texte qui te parlait. Si tu cliquais dessus, ça ouvrait... Ça permettait d'approfondir la conversation. Par exemple, il te dit « Vous devez aller au nord d'ici pour aller au camp des Urshilaku. » Et Urshilaku, c'était écrit en bleu. Tu pouvais cliquer sur le bouton Urshilaku et il te disait « Les Urshilaku sont un petit clan de nomades qui habitent au sein, etc. etc. » Donc ça te permettait de... Ça ressemblait à une vraie conve, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ressemblait à une vraie conversation. Et dans Daggerfall, il y avait ce truc assez sympa de parler à n'importe quel PNJ pour lui demander « Au fait, c'est où l'église ? C'est où la alors, boucherie ?» Alors oui, ça par contre, c'était quand même très bourrin. C'était RP, mais c'était quand même pas personnalisé au point de Morrowind où certaines personnes... Jean était même vraiment mémorable, mais d'un autre côté, ça faisait sens que dans la rue, tu pouvais vraiment... Oui, tout à fait, absolument. Et ça c'était parfaitement cool. Parfaitement d'accord. Et ça fait très jeu de rôle papier, quoi. Ah donc. Après, Oblivion... Je plante des graines. T'as raison. La grosse déception que j'avais eue dans Oblivion, c'était plutôt le côté la bataille finale où tu passes tout le jeu à réunir des troupes des quatre de Bruma, ah, et tu te retrouves machin, avec 12 personnes, ouais bah oui, les quatre blades, et au moment tu te dis oui, la bataille finale, la porte vers l'Oblivion va s'ouvrir, et t'as ton armée, c'est 12 mecs, ça. Bah oui, parce que c'est 2 personnes par ville que t'as sauvé, il y a 6 villes, mais à l'époque il fallait penser aux limitations de bah oui, aux limitations et tout le reste. Moi je suis allé avec une seule ville, hein. Là, dernièrement, avec une seule ville, putain. Moi je tape des monstres. Hein, non, mais moi j'y suis allé en mode. Alors moi je vais équiper l'armure de la rage de Undying que quelqu'un a eu la gentillesse de m'envoyer. Et donc je vais pouvoir me la péter avec une armure complètement stylée. Pas du tout par là. C'est qui là-bas ? Je me bats avec un monsieur. C'est classe ça. Allez, passe à 12. Je veux mon ours. Ah, tu dis que level 12, c'est carrément un ours. Normalement, ouais. Je vais prendre notre tournure. J'ai pas la ceinture. J'ai pas compris à quoi servaient les vampigraines là par terre. Son ours, il est stylé. Le stuff dans le jeu, faut quand même dire, est assez stylé, surtout si vous êtes fan de Elder Scrolls, tout ça. Oh, c'est quoi ça ? Attends, mais t'as un gros truc de fou, Fred, retourne-toi. C'est un astronaque. Un astronaque. Voilà, c'est... Non mais j'avais peur de mourir. Elle veut aller où le NPC? J'ai même pas suivi ça. Je suis pas sûr d'avoir tout pillé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a tout là. Putain, c'est stylé. Je me balade, moi, pour le coup, de toute façon. Oui, c'est stylé, c'est stylé. Bon, c'est que t'aimes bien papillonner. Très, très stylé. Je suis Fred. Ah, j'ai trouvé la grotte. Ah. Quelle grotte? Oh. La grotte avec le donjon là. Est-ce que je peux me téléporter hors d'un donjon, moi? Ça, c'est pas possible, ou tu peux pas... Je sais pas si tu veux téléporter dans un donjon. Tu es encore dans ce putain de donjon. Ça coûte 81$, je peux. Alors attendez, je vais donc utiliser la technique de rappel pour aller jusqu'au machin, et je vais faire la route au nord. Les langues oubliées. Après les cryptes oubliées. Voilà. Non, c'était en outil. Impeccable. Bon, par contre, je suis complètement en armure de World of Warcraft avec des épaulettes beaucoup trop grosses pour être pratique. Et on me dit, tu peux te téléporter directement sur tes amis, Bob. Ce serait super. Vous êtes rentré dedans sans pression, là ? Attends, ouais, je rentre là. J'ai besoin que quelqu'un soit à l'extérieur. Allez. Ah, mais attends, je ressors si tu veux. Merci.
Parce que si je peux me téléporter sur... Ah non, plutôt Crane, toi ressort. Je suis en chargement vers toi l'intérieur pour le moment. De risquer un alors, dans 3 minutes, je ressors. Alors par contre, on nous dit, vous pouvez aller dans une ville et utiliser le teinturier pour teindre vos armures et avoir la classe. J'avoue, ce serait stylé. Je suis intérieur. Alors comment on fait pour se téléporter? Je suis ressorti. Attends les deux autres, Fred. Comment je fais pour me téléporter sur ta position? Attends les autres. Tu peux te TP vers l'oratoire le plus proche de tes potes. Mais le truc, c'est l'oratoire, je les ai pas découverts. De ce fait, je ne peux pas. Mais t'es sûr que tu peux pas te TP à l'entrée? Non, impossible. Donc, de toute façon, tu me vois sur la carte au pire. Pour l'instant, oui, donc j'aurais besoin que tu restes à l'emplacement et je vais rusher le plus vite possible. Ouais, vas-y, rush. Merci. Je t'attends. Merci. Il n'y a pas un mob à l'extérieur que je puisse un peu XP. Je vais juste essayer tout le mob là, pour voir ce que ça donne au niveau de la baston. T'es level 50 okay, sur un petit donjon. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, il y a du monde là. Là, il y a du mob. Ça, c'est des 4, c'est PNJ. Ouais, c'est un gros mob ça, non? C'est des gens qui s'emmerdent. Mais arrête. Ah, saleté d'Orb Weaver qui me fait faire des skills tout chelou là. Oui. Je rush. Je ne sais pas où est-ce que j'en suis. Voilà. Oh la vache, effectivement. En voyant juste. C'est quoi ça? Non, ça c'est de la merde. Le pauvre truc qui a rien demandé, qui est juste mort instantanément. Après, une seconde après avoir rencontré Fred. Bob, dans le menu groupe, attends, j'ai un gros truc. Ouais, t'as un gros, t'es un voyant, j'essaie de taper. Ah, je suis coincé, c'est pas grave. Ah, ça va, ça se mange. Hein. Oui, ça va aller, tranquille. Ah, j'ai un souci avec mon Orweaver. Attends, voyage rapide jusqu'à un joueur, mais j'ai peur que ça me téléporte. Au truc que et je vois. Pas l'ôter la bouche, putain. Donc je vais y aller, Vanilla. Ça nous permet de voir un petit peu aussi le décor. Aldkarak. Oh tiens, je savais pas qu'elle existait cette ville. C'est plus un campement. Faut des mobs, j'en suis où? J'en suis tellement loin. Oh, un Atronach des flammes. Et c'est toujours une gonzesse sexy. Formidable. Cette danse abrutissante, qu'est-ce que c'est que ça? Tellement stylé. Mon dieu, j'ai encore level up quoi. Ok, on me dit donc dans groupe ça va me TP à l'oratoire le plus proche de mes amis, même si je ne connais pas. Donc on va croire. Je veux juste voir un truc. On va y croire. Tu peux te TP dedans quand ils sont dedans, il peut toujours se TP sur tes potes quoi qu'il arrive. Les attaques chargées, on ah putain, je me suis fait attaquer par un mob à la con. Aïe. Je le fais plein de fois quoi. Dans ma TP non, quoi. Cassage de Bob, il paraît que quoi qu'il arrive, tu peux te TP sur moi. Ok, bah très bien. Ah, est-ce qu'il y a une tonte comme dans PvE classique? Je vois ce que ça se fait au niveau des gars. Un taunt, ouais. Oula. Il me semble que c'est difficile de maintenir la gro en tant que tank dans. Hier, voici mon lance, voici ma prise. What? Non, c'est la danse de mon perso. Yep. D'accord. T'en es où, Bob? Je suis en train de me téléporter, j'ai accepté la téléportation pour venir jusqu'à vous. D'accord. Tu me diras où t'es, moi je suis toujours à l'extérieur. Petite information, Azura, le dédra du crépuscule, est toujours représenté dans ses statues, tenant une lune et un soleil, vu que c'est le crépuscule. Oh, se tenant la lune. Exactement. Mais à savoir que les princes d'Edric n'ont pas de sexe reconnu. Montrez-vous. Ok, très bien. Donc, où suis-je? Où êtes-vous? Alors, tu es où, toi? J'arrive, je suis dans la grotte. Je te vois pas sur la map, en fait. Je suis dans la grotte. En fait, j'ai utilisé la téléportation et ça m'a mis dans l'instance dans l'instance de Fred, en fait. Donc, j'ai réussi à rejoindre. Ok, je rentre. Donc, Crane, t'es à la bourre, là, tu fais chier. Je déconne. Le sac à merde jusqu'au bout. Et regarde, t'as vu mon armure? Mais si, je fais que ça. Quelqu'un qui m'a envoyé ça, c'est mon attaque chargée, alors que je fais des attaques et ça régène ma mana. Donc, non, faut ouvrir vos yeux. Très stylé. Je vais arrêter de me déguiser comme un. Alors, quelqu'un me dit Molagbal, du coup, c'est une femme? Non, il prend l'apparence masculine. Vous avez pris la quête au départ? Il peut être à la fois une femme et un homme, il s'en fout en fait. C'est des divinités, donc à partir de là, ils ont pas de. Attends, j'attire ça là. C'est bon? Eh bah, s'en fout. Wow! Il arrive! Il veut tout. Moi, j'attends les gens à l'extérieur, tout ça, par contre. M'attendre, ça. Mais non, mais c'est pas ma faute, c'est lui qui est aggro.
Okay, allez. Bon, maintenant, là, c'est bon. Fred a eu le feu vert, c'est parti. Hein. Oh putain. Allez, c'est parti. Alors, si tu veux ne pas. Plus, si tu veux être gentil, jusqu'à Fred. Jusqu'à 3h du matin, on fait que de l'XP. Et ne pas sprinter parce que t'as plus d'endurance et de vitesse. Et... Putain. Ouais, après, une fois qu'il est sur les mobs. Putain. Bah, mais pour ça, on fait un vrai donjon enfin. Attendez, par contre. Ah, il y a une araignée tout seul sur moi. Tous les switch, les buffs, les gars. Si quelqu'un peut faire exploser mon ultra. Quoi? Non, rien, tout va bien. Tu peux interagir avec mon ultra pour la faire péter en supernova en fait. Comme il fait là. Utiliser supernova. Oh là là, voilà. Oh, loot violet. Et comment on fait ça? Votre inventaire est plein, je peux pas ramasser mon loot violet. Attendez, il y a une priorité dans la ville, les mobs. J'ai fait un méga pool. Alors attends. Ah, merde. Merde. Oh, skip. Détruire. Mourrez pas, hein. Non, c'est bon, on tient. Ouais, détruire. Putain. Oh là là, mais le perso haut level qui bronche jamais quoi. Détruire. Hadoken. Au moins j'ai level up. Hadoken. Détruire. Super. Vous avez obtenu un point de compétence. Pourquoi il y a un Kajit qui est apparu en gros plan? Ah merde, effectivement, j'ai mon inventaire qui est full. Il y a la quête ici. Pose. Oh non, il a disparu. Oh la vache, il y a des coureurs de falaise. Oh, Fred, ah, pars pas. Non. T'inquiète pas. Non, au secours. Voilà. Ah. Ouch. Mais genre, je me fais rusher. C'est bon, on a. Ok. Ok, tout va bien. Il y a trop de loot ici. La quête, elle est là. Est-ce que je peux looter quelque chose? Putain, il y a trop de choses, t'as raison, c'est chaud. Parce que... Oh là, il y a des pièges. Les gens qui disent Crane, c'est le gars qui loot pendant que les autres tapent alors que c'est lui le heal. Aïe! Ils sont à l'intérieur là? Ouais. Ah. Ok. Alors attends, petite pause, braves gens, une toute petite seconde. Oh, putain, mais... Qu'est-ce que. Ah les pièges! Ah, vous auriez pu On a tous fait. Vu, Moi j'ai vu Benzaï se faire sucer par le piège. Des fois, il y a un piège qui est apparu sur mon écran. Oh, nous sommes attaqués par des membres de la sixième maison. Alors, ce qu'il faut savoir, pardon. C'est qu'ils peuvent mourir. Oui, voilà. Ça peut mourir. Ah non, c'est un PJ, ça. Il merde. Peut signer, on peut le tuer. Journal de divination. Oh là là. 1 sur 4. C'est parti, Fred. Ah, attends, parce que j'ai eu 3 autres bouquins. Pourquoi je l'ai pas l'autre violet? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, un vorace. Là, il y a un mec là-bas qui faisait semblant de faire partie. Ah, il est là. Marteau. Ah mais non, c'est un truc... Mais ah, très moche, hein. Faut arrêter de vous faire taper pendant que je fais autre chose. Eh bon, on l'a eu. Dents de la Vierge guerrière, je veux bien les prendre ceux-là par contre. Oh, attends, les coques d'épaule du prochain. J'ai besoin de faire de la place dans mon inventaire en fait. Et j'ai tellement de merdier, c'est une catastrophe. Yes. Oui, ah mais très bien ces épaulettes. Dommage que le reste de mon version soit dégueulasse. Côtelette de porcin, tout ce qui est craft là, détruire. Dans ce sac lourd, je trouvais des décléas et des tas. Détruire. Dans cette urne, il y avait des gantelets en fer. Et bien sûr. Mais bon, c'est pas mon genre d'arme. Ok. J'ai pas fait beaucoup de place. Pourquoi il y a un brevet de combat? Oui. Il y a quelqu'un qui se bat. Voilà. C'est Fred, ça. Fred doit être en train de saucer, bien sûr. Si. Aïe! Et j'ai été utile ou pas? Saucer. Oh là là, mais je ne fais que récupérer des trucs. Ah bah, c'est là, ça loot, hein. Ça déconne pas ici. Ah, là, en bas. Ah, je vais. 700 de vie maximale. Attention, on va empêcher de casser. En combat et qui se bat. Vous vous souvenez quand les ennemis brillent en rouge, faut les bump, hein. Empêchez-les de caster, les enfants, on va dire. Ok, bon, bah, c'est du gameplay, c'est rien. Laisse pisser. Ah oui. Oula, il a sauté. Ah, marche tellement de loin. Putain. Bâton de l'équipe. 6. Bleu. Bien joué. Très bien joué. Donne-moi ces pièces d'or, enfoiré. Ah, ça se voit là, il y a du skill. Attends, c'est toi qui spam les graines guérisseuses depuis tout à l'heure, Crane?
Oui. Ah d'accord, je me disais, parce que je les utilise et ça me soigne, c'est cool, mais j'aurais voulu savoir d'où ça vient. Ah mais je sais pas du tout, c'est des trucs à utiliser vous? Bah oui, il faut appuyer sur X pour les canaliser. C'est comme mon ultra, tu sais, quand il y a une espèce de boule brillante au milieu du terrain, il faut aller dessus, appuyer sur X et tu déclenches une supernova en fait. D'accord, moi je vous les pose après, en fait ce que vous voulez. Je trouve ça intéressant d'ailleurs que les ultras soient plus puissantes si utilisées en coop ou qu'il y a quelqu'un pour t'aider derrière, je trouve ça... Ça, c'est un élément de gameplay. Moi, je mets une zone, hein, c'est peut-être autre chose. Hein. C'est un élément de gameplay, moi, que je trouve très intéressant. Alors, voyons. 2 sur 4. Progresse. C'est où, Odé? Attendez, vous progresse. Ah, ouch, ah, putain, le piège. Le sermon de l'éveilleur. Ouch. Ouais, d'accord, ouais, ok. Non, mais d'accord. C'est un gars, il est tombé dans la folie de la sixième maison. J'ai encore vu ce Khajiit suprême, là. Hop. Charge. On prend tout. Je veux bien que dans le chat quelqu'un m'explique ces images subliminales de Khajiit qui me propose de. Les bastons, ils sont pleins. Il est où, Bob? Il est là. Bah ça crame, moi je bourre là. C'est bon, Jésus. Impeccable. Je vais les empêcher de bouger. Ouch. Qu'est-ce qui me tape dessus? Hey! Toi, tu vas crever. Voilà, c'est bon. Putain, par contre, il y en a partout, ouais. Et il n'y a pas censé y avoir autant de followers à la sixième maison, qu'est-ce que c'est que ces conneries? La sixième maison? Ah non! T'as posé la question, Fred. Le gars qui te fait regretter. J'ai pris une sorte de poison ou je sais pas quoi. Ah, j'essaye de te healer. Ouch. Non, il me mange! Ah, barre-toi! Pourquoi j'arrive pas à te healer? Alors j'ai un truc. Oh non, allez! Oulier! Bourg. Une épée longue en fer. Quelqu'un dit sur le chat, la sixième maison, c'est pas la maison de Dagoture. À chaque fois, je les vois pas. C'est la maison de Dagoture. La maison qui a été repoussée et non acceptée parmi les grandes maisons mes yeux, de Borrowind. Très désolé. Les trucs, je n'ose même pas les ramasser. Ça a l'air caca. Est-ce que ça existe encore beaucoup ça. Mais non, c'est quoi ce Khajiit? Putain. C'est ça. Ouvrir une caisse, oui si tu veux. C'est ce qu'agite là, c'est Maïk. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien. J'ai besoin d'inventaire supplémentaire, mais ferme ta gueule. Ah parce que je suis allé du mauvais côté. Des scarabées, montrez-leur votre moitra. J'étais perdu. Hein. J'étais perdu. J'arrive, hein, mourrez pas pendant que je loot les corps sur le chemin. Bourre. On est bien. Ah, ultra, vas-y, supernova, Fred. Non, il a pas supernové. Ah bah c'est bon, il a supernové. 5 espèces d'inventaire supplémentaire. Attends. Quand je claque mon ultra et la politesse de la faire éclater, s'il te plaît. Attends, il y a deux chemins. On va aller par là. Ouais, c'est très joli. Hein. Oh là 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 là. Très, très chouette, hein. Effectivement. C'est cool, il y a personne d'autre. Est-ce que c'est un donjon? On est tout seul ou Non, il y a des gens de temps en temps, mais je suis tombé beaucoup trop bas là. Ou j'ai fait une connerie. Oh, j'ai poule. J'ai poule beaucoup là. Oh non. On a peut-être poule un peu. Ah, c'est Attendez, mais j'ai sauté parce que c'était rigolo. Attends, ça heal. Non, c'est bon, on peut tenir. Faut juste faire face. C'est bon, c'est d'accord. On peut tenir. Ah, je suis mort. Je reviens à la vie. Mais non, mort, regardez. Bon, je reviens à la vie ici. Je recule avec toi. Voilà. Typiquement ce qu'il faut pas faire. Volt. Je suis pas encore là, hein. Mais ça va. Je suis revenu. J'arrive. Ah putain, j'ai perdu tout. Faut que je fasse des sortes de dégâts un peu là. Et ça t'interrompt, mon salaud? T'es où, Farguth? Je prends des dégâts. Il est juste derrière, C'est là. Voilà, alors, mais il fonctionne en cône, hein. Si jamais tu vois, n'hésite pas à te doucher dedans. À venir devant moi. Oh, putain, bâton de foudre en LRA, potion de ravage de santé, épée longue en fer. Mais c'est de la merde! Bonjour, ma truc. Allez! Ah, par contre, le bâton infernal, je vais peut-être l'équiper. Ok. Non, mais vous avez pas de gros problèmes de taille d'inventaire? C'est chaud. Si, énormément. Impossible de changer l'équipement en combat. C'est ouf. Là, il y a un truc. Bâton... Oh putain, attendez. Là, il y a une connerie à pas faire. Ah, je te vois.
Vous venez d'aller dans deux chemins différents. Eh ben ouais, on se répartit, on fait du bon boulot, on est bien. Ah oui, il y a surtout un truc à récupérer là-bas. Ouh là là, j'ai failli tomber. Bombardement. J'ai failli tomber. Ah putain, le revers patriarcal. Ah, il est mort. C'est bon. Ça améliore mon armure lourde. Eh, c'est quoi ça? Un éclat céleste. Quand on trouve 3, tu gagnes un point de céleste. Ah, Jésus. Alléluia, motherfucker. Oh la vache. C'est plutôt joli ici. On a brillé très fort. Il y a vraiment personne qui va tomber sur la poutre là. Non, c'est bon. Voilà, attendez, faut que je change de bâton pendant qu'on n'est pas en combat. Tu prends un bâton de soin ou un bâton de... En érable. Ah, j'ai mis un truc avec un bonus de soin. Ah, attends, quelqu'un te dit, Bob, apprends toutes les recettes de cuisine, artisanat et aube dans consommable, ça te fera de la place. C'est pas bête. Ça. Consommable. C'est peut-être où, consommable. Qu'il faut le niveau. Consommable. Alors consommable, utiliser. Ça doit être ça. Ah merde. Cool. Ah, j'en ai qu'une. Où ça, ah, c'est comment consommable, ça, c'est là. Bon. J'ai chargé à travers un gouffre, ça m'a fait tomber dans le gouffre. Ah, aïe. Oh non, on tape. Oh non. Putain. T'es où? T'es en haut? J'arrive. Oh, allez, barre-toi. Non, attends, je vais essayer. J'ai tombé quelques-uns à la renverse. Putain, alors toi là-bas qui me regarde mal. Il me taque à coup de pelle. Donc là, j'ai un bâton de heal. Ah, Vult. Hop. Non, c'est bon, ils sont tous morts. Est-ce que je me heal de la mana aussi avec le bâton en maintenant, le bâton de heal? Je sais pas. Très bonne question. Eh putain, elle est revenue, elle. Je l'avais virée. Peut-être que je peux te healer, en fait. Écoute, laisse pisser. Je connais pas l'or, mais je parie qu'il faut aller vers le gros machin. Ah, attends, une seconde, je peux équiper l'épée qu'on m'a donnée. L'épée longue d'acier d'absorption de magie. Elle est très bourrin, ça. Et elle est classe. Oh, j'ai une nouvelle épée, regarde ça, Fargus. Regarde ça. T'as, il est où? Les profondeurs. Regarde cette épée, mon gars. Oh là là. Elle fait des items cheatés. Mais oui, mais j'ai la meilleure. Attends, j'ai la meilleure fanbase du monde là. Ça, c'est peut-être un peu dangereux ce qu'on vient de faire là. Bon, occupez-vous des trash mobs d'abord. D'abord les trash mobs. Ok, donc c'est pas ça. Il y a un machin qui donne du pouvoir au golem. Oui, je sais, je suis en train de le stun. C'est bon, il est mort. T'es où, Fargus? T'es là. Oh, je suis en train de crever. Je prends plein de pif. Enfin, j'ai plus de... Putain, il m'a eu. Attends de me planter de skill. Je vais mourir dans un coin. Où ça? Oh non! T'es où? Derrière l'échafaudage. Derrière le. T'es où, putain? Je te vois pas. Alors après, je peux revenir à la vie avec une jeune dame. Hein. Attends, je te vois, ah, je te tiens. Oh là là! Je te tiens. T'es où? Je le tiens. Allez, debout! Accept. Go! Attends, bouge pas. Si vous refusez. Bouge plus. Ah là, super, okay. T'es bien. Wow. Pas mal. Oui, parce que je peux soigner aussi, mais c'est un détail que j'oublie en fait. Ah. Vous en sortez? Ah, moi je crois que mais peux là, pas je faire me suis planté à chaque fois de skill. J'ai fait du DPS. En fait, tout à l'heure je suis tombé et j'ai fait tout le donjon en sens inverse pour Écoute, vous rejoindre. Ben, je propose que tu restes en arrière et que tu bourres. Je vais rester à côté de toi et utiliser mes boules pour bourrer. Et si jamais c'est la merde, je peux te défendre et tanker et essayer de... Mais ne panique pas et ne t'enfuis pas, d'accord? Parce que sinon je peux pas te suivre. Tiens, tu vois ce connard qui se ramène par exemple là? Voilà, super. Le deuxième. Mais attends, il y en a plein là. Oula. Attends, j'arrive. Je tiens. Non, t'inquiète. J'ai. Voilà, c'est bon, il est mort. Hop. Je me régène. Par contre, je prends cher. Ouais, je mange chaud. Il est ninja. Oh putain, il se. Ah, l'enculé. Non, bouge pas. C'est bon, il y a les plantes guérisseuses qui nous. Okay. Ok, très bien. Bon, je charge. Tu es bien. Bon, bah, ils sont tous morts. Ok, très bien. On a géré. Ah. Attendez une seconde qu'on régène un peu la mana 5 encore secondes. Du monde. S'il vous plaît. C'est la mana, elle se régène. Ah, oh, je suis fou encore. Quoi. Oui, mais voilà quoi. Il y avait pas une option pour plus voir les loots blancs ou je sais pas quoi. Ça ressemble à un mode, ça, mon cher Crane. Possible. Putain, mais c'est pas possible de... Non, la Tronac! Non, tu canaliseras du tout! Bon réflexe, ça, Fred. Hop. Faut absolument que je fasse monter. Oh non, les termites! Là, le papier! Papier, on est à 3 sur 4. Bientôt. Où est-ce que ce serait le dernier? Et plus loin sur la route, regarde. Probablement là-bas, il y a une porte, tu vois, qui s'ouvre. Attends, vas-y, Molo, poule pas trop.
Freine une seconde, freine une seconde, freine. Oh merde, oh, bon bah, j'ai rien dit. Fred, retourne-toi, Fred. Voilà. Ah oui, c'est... Ah non. Ils sont très classe, ces Atronacs. Il y a une espèce d'assassin qui passe derrière les gens. Il est là, le dernier. Comment ça, le dernier papier comme ça, dernier papier, enfin le dernier indice, je sais pas quoi, j'ai pas lu. Trouver un moyen d'entrer dans la salle de l'éveil. C'est qui? C'est quelqu'un d'autre là-bas. Attends. Il est une mauvaise personne. Attends, avant de bourrer, est-ce que je peux juste jeter un œil au papier pour voir? Je pense qu'il faut revenir en arrière, mais comme il y a une porte ici, j'ai envie de cliquer dessus. Mais vu qu'il faut aller dans la salle du... Non, ça me fait par là. Ah bah c'est... Si, il y a une quête ici aussi. Bon, il y a une quête par là. Sprint pas, d'accord, attends-nous. Je sprint pas, t'inquiète. On est juste derrière. Voilà, impeccable. Ah, là-bas, ouais, cet endroit est bien, il est plus réjouissant quand même. À gauche, il y a les cloches. Il est plus grand que toute une ville. Oh, alors, ce qu'il faut savoir, pardon. Vas-y. C'est que ces cloches sont représentatives. Là, je tape des trucs, donc je suis de bonne humeur, donc ça va. D'accord. C'est que ces cloches sont représentatives de la sixième maison, qui est la maison de Dagos. Et vous voyez au bas, juste en dessous des cloches, les lettres. Okay. Les lettres écrites sont des lettres en Dunmer qui sont censées représenter Dagos. Donc il faut épeler Dagos, en fait. Le truc, c'est que c'est rigolo, parce que quand je clique dessus, je vois tout flou, en fait. Le truc, c'est que je sais absolument pas comment... Enfin, je sais pas lire le mot. Trouver un moyen d'entrer dans la salle de l'éveilleur. Le truc, c'est que... Ah oui, non, attends. Je vais déjà mettre la bonne quête. Je ne sais pas lire le mot. Elle s'appelle comment, cette quête, c'est d'ailleurs? C'est une énigme. Ah oui, c'est une énigme. Comment s'appelle la quête? La ruse. Comment s'appelle la quête? Là, je cherche. Aucune idée. Simplement égaré, moi, elle s'appelle. C'est écho d'une maison déchue. Ah, t'as ça? Écho d'une maison... Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux la partager, du coup? Okay. Ah. Ben non, vous l'avez parce que vous avez ramassé les machines. Je l'ai rentré dans la salle. Et du coup, il va falloir trouver comment écrire là par exemple en face de nous. Oui, parce que ce que vous voyez, l'écriture qui est au sol, c'est pas. Je me suis trompé, c'est pas l'écriture forcément des Dunmer, mais c'est une écriture d'Edric en fait. Mais c'est l'écriture d'Edric. Regarde en face de toi, à droite et à gauche de la porte, il y a les signes. Est-ce que c'est pas ces signes-là Dagos qu'il faut faire? Non, parce qu'ils les ont. Ah si, t'as entièrement raison. Attends, on va essayer. 1, bouge pas, 2, non, et après le S, il ne bouge pas, 4, merde, je me suis rempli. Non, c'était pas le bon, c'était 1, 2, 4, tu t'es pas Mais il faut se mettre en vue intérieure, parce que sinon il se décale en fait. 1, 2, voilà, 1, 2, 4, ensuite tu fais... Tu refais le... Ah, non, 3, ouais, j'avais même pas compris 3, que ça s'allumait. Le 6, 3, et ensuite 6, le dernier, et l'avant-dernier. Et 5. Ah putain, et ça s'allume, ouais, t'as raison. Et c'est Dagoth. Et l'avant-dernier, voilà, et c'est la Stargate. Bravo. Là, ah oh, putain, un boss. Yes. Non, c'est beau. C'est le genre de truc qui m'a trop fait chier. En fait, c'était demandé... très facile, là. J'aurais demandé, mais comment on rentre là-dedans, c'est quoi ces conneries? Alors, si je puis me permettre, la sixième maison... Tant pis. Attends. Allons-y. L'éveilleur Maras, c'est le responsable, il commence à faire des dots. Bourrez-le. Il est mort. Oh, il s'était planté. Il s'est épé. Attention, il va viser. Il est là-haut, à droite. Non, il est là. C'est mon droit d'héritage. Il y a un évidamite dans le tas. Elle fait sans doute partie de la quête, mais on sait pas de quoi ça veut dire. Frappez-les, tuez-les tous. Vivek reconnaîtra les siens. Elle est morte. Carbonisation peut maintenant évoluer. Non, Fred est contrôlé. C'est bon. Non, faut pas qu'il soit contrôlé. Ultra, fait péter la supernova. Oh là. Fait péter l'arme qui tue. C'est bon. Eh ben, impeccable. Prenez le journal de mes infernal, impérable, tue les 100 ans. Effacé. 2000 de foudre, allez. Le journal de machin, il est ici. Oui, journal de Moana, ok. Moi j'ai pas eu d'objet ou quoi que ce soit, j'ai essayé de baiser. Alors, j'ai eu des objets. Non, à côté de l'âtre du feu, là. Ça fait quoi ça? Ah non, ça c'est pour Il y a les scruches. Ça fait du bien. Ah bah oui, bah forcément. C'est un ordinateur, elle lui a annoncé une référence à l'agglomération à Pico. Très déjà reparti en arrière. Bah oui, on a fini, on a pris le journal.
Oui. Et du coup... Non, j'ai toujours pas 12. Quoi. Je peux augmenter carbonisation. Ouais, Attends, il faudra un seul point pour ça. Ah, et tu repars par un petit trou. Eh ben écoute, Crane, je suis avec toi, donc quand tu repars, tu me dis. Alors attends, mais j'avais le droit... Attends, ne bouge plus, Crane, une seconde, parce que j'ai reçu des tas de messages, donc on a des mails. Acrobatie. Quelqu'un qui dit bon app et qui nous envoie plein de coups. C'est quoi, la chute de 10%. Pierre, des lingots, c'est cool, ça, merci. Augmente votre réputation avec ça. La recette du borsch et cadeau, les elfes antiques. Oh, super. Tu retravailles du bois, escroquerie. Magie des heures. Il se fait PL, Bob. Bah non, je me fais donner des trucs de craft. En ah, fait. Onde de force. Ah, sans putain. Sans péter votre bâton inflige, limite 900 points de givre, de machin, et truc. Et je ne peux pas, je ne peux pas l'utiliser, je n'ai pas couture pour l'instant, donc tant pis. En tout cas, je le garde. Allez, il sort. C'est en train de bastonner en bas. Fred, tout seul. On arrive. Merde, attends, mais on crache à la gueule. C'est bon. Alors, j'ai débloqué un truc, mais apparemment j'ai pas le droit de le mettre dans les mêmes. Ah, pourquoi ma barre de compétence est aussi faible? Ok. Hey. Donc on bourre par là. T'as un endroit de farm un peu par là. Y'a pas trop de monde dans le donjon, c'est cool. Oui, ça va, y'a pas trop de monde. Ouais, il y avait 2-3 personnes, mais surtout les mobs repopaient assez vite, on s'est quand même fait un petit peu submerger à un moment, j'ai été inquiet. Je ne cache pas que j'ai exprimé une inquiétude. Ah, attendez, avant d'avancer, juste un tout petit peu, regardez cette ambiance. Tu vois cette ambiance? Ça, c'est Morrowind. Cette espèce d'ambiance avec un LOD qui charge pas, cet aspect cendreux, ces boules de feu qui tombent du ciel. Comment ça, ces boules de feu qui tombent du ciel? Attends, Qu'est-ce qui se passe? C'était un sort d'un mage en bas. Les gens qui se bâchent contre les gars. Ah d'accord, parce que... C'est vrai que là, on pourrait... Ouais, c'est la bonne ambiance. D'ailleurs, je soupçonne que ce soit... T'es sûr que c'est un sort d'un gars en bas? Oh putain, aïe. Allez, tu bouffes. C'est bon, il est bon. Oh, compagnon amélioré. Oui, ça fait beaucoup plus mal maintenant, bot. Attendez, il y a des mecs derrière. Faut que j'ai mon ours. Trop tard, j'ai poule devant. Et merde. Après, fais une pause, hein, je veux vraiment choper l'ours. Mange tes morts! Voilà, impeccable. Oula, le level. Attends, pause. Fred. Oh merde. Il y a un gros golem. Voilà pour s'amuser, oh, pour apprendre des loups. Mais il veut bien, mais il faut qu'il améliore son ours. Tu sais, pour nous aider à tuer des choses. Ah, et surtout pour montrer l'ours. Oh là là, le FX est vraiment très cool. Poule plus, hein. Poule plus. Non, Fred, tu vas où? Okay, on a un gardien féroce. Fred, si tu continues à poule, je vais te couvrir de l'or. Reviens là. Je vais juste voir. Il va pas voir. Alors, et après, on a lien avec la nature. Qu'est-ce que ça fait? Nécessite un point de compétence lorsque l'un de vos compagnons animaux est tué ou renvoyé, vous récupérez 680 cent. Ça a l'air génial. Plus vite. Annulé. Ça fait... Lorsque vous soignez un allié ou même... Ouais, ça c'est bien ça. Hop, déverrouille. Ok, donc normalement maintenant j'ai un ours. Si je fais ça. Attention. Oh, c'est... Alors, le son vous l'entendez pas, mais c'est hyper classe. Il est où mon ours? Oh, il est là! Oh, j'ai un ours! Il s'appelle comment? Il a un nom? Il est bon. Non, je sais pas. Il y a pas de... Possède un ours. C'est vrai que tu es gardien. Ah, j'ai un peu besoin d'aide là pour le coup. Bon. T'as qu'à crever, hein. Regarde. Non, mais on va, oh là là. Laisser, on va pas le laisser crever. Tiens, prends de l'huile. Et il fait quoi, mon ours? Il m'aide? Il est où, l'ours? Oh, il y va. Oh là, l'ours, il est en train de frapper. Mais bon. Bon, il est un peu lent. On est bien. Allez, viens, Winnie. Ouais. Winnie. Par contre, on va suivre Fred ce coup-ci. Putain, les charges qu'il fait. Allez. Stun. Ouch. Est-ce que ça fait des dégâts, ce mur de feu, bordel? Je comprends pas, en fait. Ok. Je fais un truc avec du feu, mais... Je suis pas convaincu. Et ouais, il est mort. Oh là, mon ours, il y va. Il est comme un fou. Mon galopin. Vas-y, défonce-les. GG. Mais Fred, pourquoi tu fuis? Enfin, tu... Mais parce que ça s'enchaîne, c'est comme ça qu'on joue. Oh ouais. Putain. Il faut prendre le pack suivant avant que le premier pack soit mort, comme ça t'es jamais en train d'arrêter. Mais c'est pas possible. Bon, ouais, écoute, on va voir si j'ai bien appris. Voilà. Bon là, du coup, on va finir par mordre un peu trop que ce qu'on peut...
Il se passe des choses ou pas? Ah oui, là pour le coup, ça le bourre là. Bah, c'est bien, non? C'est vrai que c'est comme ça qu'on complexe. Oui, oui, mais du coup, on loot rien, on regarde pas. Enfin, je son rythme, on a ah, mais tu, bon tu lootes en même temps, il faut faire les deux. Oui, moi, non, mais là, c'est qu'on loot un peu tout et rien. Je marche pas sous la panique. Merde. Mais c'est pas de la panique. Oui, mais vous arrêtez pas de me mettre des mobs dans la gueule. Ta vie, elle bouge pas, quoi. Ah bah putain, mais... C'est par là pour aller parler à Titi, ça. Je prends mon temps. J'attends que ma régène arrive. Je vis bien. Prends-toi ça dans ta gueule, ton cul. Ultra. T'as lui aussi, il a balancé tout. Mais il fait péter Supernova, mon gars. Voilà. Cloque de Scarabée. Il y a encore un mob derrière. Un cloque de Scarabée, ça a l'air bien. Hein. Fred qui est parti devant son poule, et alors qu'il a laissé tous les mobs à Crane. Et... Toi, j'ai mon ours, je fais rien. Et elle est où la vie de mon ours d'ailleurs? Ah, il est où? Parce que t'as trop mordu là, Fred. C'est bon, on a non, plus les passe. 72 ours que vous avez laissé derrière. Oh, attends, une mandibule effilée. Oh, attends. Non, pousse. Dans les lunes. Il y a 5 mobs qui ripop. Pourquoi ce jeu là, cette zone est survivante par rapport au le truc c'est, Bob, la cette manière là, c'est-à-dire dans tes os, quand on pexait, en fait le farm était beaucoup plus facile, c'était beaucoup plus rapide à Apex pour atteindre le level 50. Oui, je comprends bien, c'est juste que depuis tout à l'heure, j'ai mon endurance qui était vide et j'arrivais pas Mais du coup, en fait, pour te dire, le truc de faire comme ça, on tournait sur un spot de mob et non-stop, il fallait qu'on soit non-stop en train de taper. Et j'ai fait ça pendant 3 semaines, 8 heures par jour. Farm. Qui fait ça? Pour atteindre le level 50 champion 10. Quoi. Voilà. Mais ça suffit. Je préférerais monter à un let's play de Tropico. Je préférerais monter à let's play sur Skyrim. Oh, 1000 pattes. Ah, on me dit que je peux lancer une attaque ultime de l'ours en rappuyant sur R. Faut que je t'aide. Attends, par contre, tu vas trop loin. 8 heures par jour. Accompli, bon appui. On a fini de changer les cadeaux. Attends, mais elle est où, Titis? Ah, je peux pas parce que j'ai elle pas... est là, putain, je suis passé devant comme un con. Ouais, j'ai pas vu Titis, moi. Elle est où, Titine? Détruire, hop. Mais en fait, c'est un mec. Détruire... Ah merde. Oh non, mais c'est un elfe blanc, t'as pas à t'excuser. Hein. Ah non, c'est un elfe noir. Oh, bah, Titis. C'est trop de trucs qu'il faudrait que je vienne. Elle le garde. Ah non, je peux pas accomplir la quête, mon inventaire est plein. Ah ouais, pareil. Mais je sais pas quoi garder, je sais pas quoi enlever. Le carillon du rêveur. Oh putain. Alors brave gens, je pourrais vous expliquer pourquoi Dagothur, le chef de la sixième maison donc, est comment ça s'appelle, est important par rapport à tout le reste, et pourquoi le carillon du rêveur et que tout le truc par rapport au rêve, tout son délire par rapport au rêve et à tout le reste. Mais très sincèrement, ce serait compliqué, je maîtrise pas forcément le sujet et on nous passerait des plombes. Là, très sincèrement, c'est le lore, mais à un niveau que t'imagines même pas. Là. Observe ma danse, Bob. T'es où? Non, il ah oui, la danse. La danse, cette petite danse. Oh là, à travers l'ours d'ailleurs. Là, à travers l'ours, ouais. Alors, les amis, on a fini cette quête et je vais en profiter moi pour me retirer dans mes pénates et refaire le début du jeu de façon moins chaotique que la dernière fois où ça buguait tout le temps pour les bienfaits de ma VOD de ma chaîne YouTube. Ah. Donc je vais vous laisser pexer ou je ne sais quoi sur cette fin de soirée, mais moi je vais mettre à profit les 40-45 minutes là du début du jeu de fin de soirée pour emmener mes viewers vers le monde incroyable du RP et des dialogues. Donc du coup tu vas leur montrer un peu la... La nouvelle classe ou Non mais on va avoir le temps de lire 3 dialogues. Mais moi je veux juste redécouvrir le jeu au rythme assidu. Voilà, écoutez les amis, je vous fais des bisous. Je vais taper, D'accord. Insérer un adjectif. C'est ça. Assidu, sublime, délicieux. Et du coup quand vous sortez du donjon, vous voyez que la gueule de donjon est devenue blanche, c'est-à-dire qu'on a fini. On a fait la quête. Voilà. On peut y retourner potentiellement. Est-ce que c'est intéressant ou pas du tout? Oh, oui, on peut y retourner. On peut y retourner si on veut.
Mais voilà, mais là on a fait la quête liée au donjon, donc le donjon est plus dommage, pas level 10, on aurait pu finir sur un peu de PVP. Mais je suis c'est trop loin. Vers au bout de 4 heures, donc ça c'est bien. La vache. Eh ben, vous savez quoi, moi, si tu veux terminer, Crane, et je suis désolé, ouais. Je vais faire mon lore fag, j'aimerais bien qu'on aille voir la cité Telvanni, dont je ne me souviens plus le nom, qui n'est pas très loin de notre position, qui est, si je dis pas de la merde, accorde-moi une petite seconde, Sadrith Mora. Rendez ça, les viewers de Benzai Live. Si tu la vois, on va louper quelque chose. Hein. C'est Sadrith Mora, elle est littéralement au sud-est de là où on se trouve, dans l'espèce de petit archipel là. Je sais pas celui-là. Ah, attends, tu regardais. Donc tu dis une petite... Ah oui, d'accord. Voilà. Sur Benza Live, on va vraiment louper quelque chose. Je vous dis à plus pour cette VOD. Et bonjour, bienvenue sur Benza Live. Allez, bye. Des bisous, mon Ben. Hop. Salut, Ben. Bye. Après, on va prendre un autre cheval avant. Attends. Je peux juste couper là. Moi, c'est bon, on a fait mon donjon, je suis content. Ah. Ah, bah, là, pour le coup, et puis on a vu des gros monstres, on a eu un boss. Enfin, c'était très classe. Moi, je suis plutôt content. C'était cool. Après, il faut c'est pas croire c'est exactement que je le même. Faut pas croire que je m'intéresse pas au lore dans le non, jeu. Non, oui, hein, complètement. C'est juste, c'est une méthode de jeu de PVP ou quoi que ce soit. Je suis sûr que quand toi, t'as joué à Skyrim de ton côté ou quoi que ce soit, tu t'es intéressé aux histoires, à tout le merdier, à tout ça. T'es pas juste allé pour un oui, A, bien sûr. B, je lis... Non, mais dans Skyrim, je lisais les quêtes. Évidemment, hein, évidemment. Donc on troll, y a pas de souci. D'ailleurs, rassurez-vous, les gens. Je lisais les quêtes, mais disons qu'en fait, c'est l'habitude que j'ai dans les MMO, parce que dans les MMO, toujours. J'ai peu de temps pour y jouer du fait du boulot, etc. Clairement. Du coup, j'ai tendance à vouloir être vite level max avant que le temps que j'ai accordé à ce MMO soit terminé, entre guillemets. C'est ça. Le but, c'est d'être level max le plus vite possible pour ensuite pouvoir aller faire du PVP avec les autres de la Et sachez que quand Fred roule des yeux à l'infini quand je parle de l'or, il roule pas vraiment des yeux à l'infini, ça fait barrer, c'est tout. C'est juste que dans l'absolu, là, c'est un MMO, donc dans un MMO, le lore est pas si important que ça. Et quelque part, il marque un point. Un minerai de fer noble, mes excuses, je tape dedans. Oh là là, t'as pas mal. Mais dans celui-là, oui, parce qu'il a tout un passif qui est majeur, j'ai envie de dire. C'est pas genre un... Putain. Ouah, saleté de saloperie. C'est quoi? Ah, j'ai chopé un trop de coups. C'est parfait. Votre inventaire est plein. Encore. Il faudrait que j'achète des emplacements de sacs auprès des marchands des villes. Et attends, oui, c'est quoi ça? Ce sont des ruines d'Edric. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, ce sont des ruines d'Edric. Donc c'est la merde et c'est absolument pas un village. Donc il faut qu'on continue... sur la route. Attends, je suis pas là, j'arrive. On a coupé, nous, par les montagnes, là. Voilà. Alors, attends. La route se situe très légèrement à droite de notre position. Enfin, à l'est, je crois. Oh, du minerai de fer. Attends, je me sers. Et enfin, je suis forgeron, moi, à la base. Hein. Je suis pas un bon forgeron, mais... Alors, déjà, il y a un point de TP à les débloquer là-bas. Il y a des mobs de partout qui veulent attenter à nos vies. Ouf, ce sont des Nyx, et des Kwama, rien de bien. Minerai de fer noble. Je serais pas le malin si je croisais ça dans la vraie vie. Oui, mais c'est rien de bien méchant dans le monde de Elder Scroll. Je veux dire, ça se dompte, quoi. C'est pas non plus le... D'ailleurs, il y avait une mine dans Morrowind qui était intéressante. Tu sais, les Kwama, ces espèces de grosses araignées chitineuses ou chitineuses, je sais pas comment on dit. Oh. Et il y avait une mine avec des Kwama qui travaillaient et qui extrayaient du minerai et qui étaient domptés. Et donc c'est très intéressant d'imaginer que voilà, t'as un cheval mais il mine à ta place. Fais voir l'ultime avec l'ours. Tu voulais nous montrer? On verra. À peu près maintenant qu'on est. Alors Telmora. Telmora, c'est une ville portuaire si je dis pas de la merde. Et attends, Telmora, c'est peut-être ça, hein? Attends, laissez-moi juste jeter un œil rapide. Je crois que c'est ça. Mais il y a un boss juste au sud. Soyez prudents devant ça. Aider à restaurer le légitime dirigeant de Vos. Apparemment, il y a... Reprendre Vos. D'accord, il y a une ville qu'on doit reprendre, là, en fait. Ok. Mais laisser tomber, c'est pas là. Donc, il faut qu'on aille au sud. Ok, très bien. Go faire le boss, au passage. Quel boss? Si, il est là. Au pire, il pop vite. Quel boss? Alors, attends, comment on peut y aller? On dit chitineuse, mais ça s'écrit chitineuse. Ouais, tout à fait. Tu devrais le savoir. Oui, mais oui et non. Moi, je fais partie des gens qui disent Yatch. C'est un des mots préférés de Maillard, donc tu devrais le savoir. C'est vrai. Yatch ou Descartes, parce que sinon j'oublie comment ça s'écrit.
Où est-ce que tu vas, Crane? Je sais pas, j'essaye d'aller au truc du boss. Au truc de crâne, là? T'es passé par les rochers, toi? Je sens le lien. Ce que nous apprendrons va... Je sais pas, oui, j'ai pas pris le bon chemin. Vous avez découvert la tour de Durbil-Aladar. Ah, je crois que c'est en train de popper. On est bien. On est bien, on arrive pile. Ouais, on entend des gens qui disent « Détruisez des choses avant qu'il soit trop tard. » Je sais pas ce qui serait trop tard. Donc, voir le... Oh putain, ouais, j'arrive. Alors, l'ulti de l'ours. Arrive, c'est ça. Vous l'avez vu, c'est un gros coup de. Un gros coup de patte. C'est bon, il est mort? C'était ça, c'est tout? Continuez de les tuer. Non. Oh merde. Continuez de les tuer, il faut. D'accord, d'accord. J'y travaille. Difficile de régen. Cette roulade sur place magnifique. Ok. Il n'y en a plus? Le boss ne peut pas encore. Ça, c'est D'accord, c'est du. Ouais, c'est un petit event. C'est de l'échauffement. Ok, très bien. Ok, je vais rester en arrière, je vais bourrer l'artillerie. Hop. L'artillerie magique. La présence traverse le portail, préparez-vous! Ah, ça y est, le boss arrive. Ok, très bien. Tu crois? Mess d'embobineur. C'est moi qui les tag, ça va. Tu crois? Tout le monde loot, hein, ce boss-là de mémoire. Ah, c'est des vrais dédrains. Mess d'embobineur, bordel de merde! Supernova! C'est joli. Il y a des effets de ouf, hein. Voilà! Deuxième supernova! Ah, c'est moi qui ai le gros. Fais péter, fais péter! C'est ouf, bon. La vache, mais il est vénère! Vas-y, sauce! Alors, Bob. Je vais très bien. Tu peux le faire souvent, le coup. Le gros coup de l'ours. Ça, c'est plutôt cool. Il est presque mort. On le tient. Oui. On les a eu. Moi j'aime bien les événements. Ça ressemble à un portail de l'Oblivion, machin. Oui, mais c'est un portail d'Edric. Ah. Et Oblivion, ça n'est qu'un. Oblivion, ça n'est pas le monde des draps. C'est juste un monde des draps, mon cher Fred. Vous voulez ma mort? Oui, c'est le monde des draps qui est relié à Mérunès Dagon. Mérunès Dagon qui est le dieu de la guerre et du merdier. Bref, il est vénère. Puis tu te souviens je sais pas si tu te souviens de la gueule qu'avait Mérunès Dagon, Fred, à la fin de... Oh, j'ai monté à niveau 9. Oh, c'est con, maman. Je sais pas si tu te souviens de la gueule qu'avait Mérunès Dagon à la fin de The Elder Scrolls Oblivion, mon cher Fred. Tu sais, quand c'était un espèce de truc avec 4 bras, des cornes et 2 haches. 2 haches de bataille vénère, qui était vachement grand. Valeur. Ouais, si, je m'en souviens. Voilà, genre, il était vénère. Donc, tu peux te dire que voilà, c'est une version de Hulk, mais rouge. Mais vénère, avec 4 bras et des haches. Très vénère. Du coup, on est à côté de la route, allons-y. Alors, on me dit que l'ensemble d'Oblivion, l'Oblivion, c'est l'ensemble des plans d'Edric. Ah, je pensais que Oblivion, c'était le monde de Mérunès Dagon, en fait. Et que chaque monde de chaque Dédra avait son nom spécifique. Comme Apocrypha pour Hermaeus Mora, ou le monde de Molag Bal, mais il a un monde à con, truc de glace ou de cristal, je sais plus quoi. Alors, fait aussitôt pousser une forêt curative. Ouais, mais c'est un skill. Ça fait pas 2 skills en R, ça? Tu peux pas mettre les 2 compétences ultimes. C'est vrai qu'Oblivion. Les ennemis. Après, t'étais pas obligé de les faire, mais chaque fois que je creusais un portail, je le faisais. C'était tout le temps la même chose. C'était chiant. Oui. Et puis ça te donnait que des pierres qui te servaient à enchanter ton matos. Donc c'était obligé. Moi, je le faisais pour nettoyer. C'est pour nettoyer. Oh, il y a une torche là! Ouais, faudrait vraiment agrandir les inventaires. Il y a une torche au sud de la position, c'est sur la route de ce qu'on voulait voir. J'entends un énorme monstre. Ah non, c'était juste une invocation. Oui, je sais, niveau 15, j'aurai une seconde barre de sauve. Mais je ne le suis pas encore. Oh merde. On y est, ouais, à la torche, il y a le donjon ouvert. C'est quoi la torche? C'est un donjon ouvert. Ah, c'est le donjon ouvert, on s'en fout. Donjon ouvert. Je veux que Bob nous rencontre du lore. Très bien.
Vous avez découvert Pulk, d'accord, c'est ça le donjon ouvert. Donc. Du lore. On va arriver bien sûr à la ville, alors si elle a pas beaucoup changé ou pas trop changé depuis, enfin avant qu'elle change vu qu'on est dans le passé, la ville des Telvanni. Les Telvanni sont la troisième maison je crois, ou la quatrième, je ne sais plus, j'ai un doute, mais dans tous les cas, elles font partie des cinq maisons, les cinq grandes maisons, les cinq grands clans qui gouvernent Morrowind. Il y a le clan Laalu, ou Yaolu, qu'on avait rencontré le glandu un peu plus tôt avec l'assassinat et tout le merdier. Il y a le clan Redoran, donc ceux qui possèdent plus tard la ville crabe. Il y a le clan Telvanni, qui sont des mages, qui vivent dans des champignons qu'ils font pousser eux-mêmes, des champignons géants qu'ils font pousser eux-mêmes magiquement afin de vivre dedans, quoi. C'est pour ça que c'est très atypique. Il y a le clan Dress, dont je me souviens absolument plus de ce qu'ils font. Et il y a le clan Indoril, qui est le clan qui constitue les suiveurs de Vivek, des divinités des tribuns, quoi, ainsi que ceux qui portent les tu sais, les espèces de masques là avec la crête, les trucs très symboliques qu'on avait vu à Vivek, les armures stylées. Non, peut-être ? Tu sais, l'espèce d'armure d'or à la Sparta avec la crête dessus sur la tête. Voilà. Il aurait fallu passer par l'autre côté, frère. Bah, c'est pas par là, j'ai vu. Non, c'est par là. C'est par là aussi, mais il y avait un détour. Que ce soit cet endroit-là où tu veux aller. C'est ça. Et pour résumer, donc, c'est comme les Schtroumpfs. Et pour résumer, la sixième maison, qui est la maison de Dagotur, Dagoth le méchant, Dagoth le mal, Dagoth tout ce que tu veux, bref, le même Dagoth qu'il y a dans Conan, quoi, est une maison qui avait été bannie et qui est une maison qui n'a officiellement pas le droit. Oh, il y a un truc de compétence juste là, si vous voulez. C'est des ruines d'Oemer ici. Ça me filait un point de compétence. Où ça ? Ah oui, c'est. Là où je suis. Avec la céleste. C'est des ruines d'Oemer, là. Là où on est. Effectivement. Je croyais que les Dwemer, ils étaient pas à Morrowind, non ? Alors si, les Dwemer, ils étaient un peu partout, mais surtout vers le nord. Ils étaient un peu en bord de ciel, ils étaient un peu machin. Les Dwemer ont une technologie qui était extrêmement avancée, puisque c'est les seuls, à être capables de manipuler un métal très spécial qui est imbu d'aetherium, donc un métal un peu magique, un peu comme du mithril. Pense mithril. Voilà, tu vois. Donc à chaque fois, par exemple, dans Morrowind ou Oblivion ou tout ce que tu veux, tu trouves une armure Dwemer. C'est du merdier Dwemer. Il faut que tu te dises que le merdier Dwemer, c'est. Perdu mon ours. C'est pas du mithril parce que le mithril existe, mais. Ah, il est là. Mais voilà. Mais. Et pourquoi ils ont disparu, les Dwemer ? Alors, ça c'est fun que tu poses la question. Est-ce que tu te souviens du cœur de l'Orcane ? C'est l'espèce de pierre d'infinité dont Vivek tire sa puissance. Et dont il tire sa divinité. Tu sais, cette espèce d'objet incroyable, de fou furieux, qui te permet de devenir un dieu, la pierre d'infinité, quoi. Le truc que Darkseid y veut, voilà. Ce cœur de l'Orcane, cette pierre d'infinité, il y a un ingénieur nain, qui lui n'est pas étouffé par la religion, mais que par la technologie, qui s'appelle Kagrenak, qui a découvert comment manipuler l'énergie de la pierre d'infinité sans être un dieu. En ayant un gant spécifique, ainsi qu'un marteau et une dague. Des outils qui permettent de rediriger l'énergie et de l'imbuer dans des golems, ce qui fait des robots, ou tu sais, bref, quand on te donne la batterie énergétique d'un dieu, si tu arrives à la manipuler, tu penses bien qu'on peut faire des choses autres que d'alimenter Las Vegas, tu vois. C'est pour ça. Ouais. Avance, viens vers nous. Pardon, je cherche où vous êtes. Et de ce fait, Kagrenak pensait qu'il pouvait créer un dieu machine, qui s'appelait le Numidium, ou le restaurer en utilisant le cœur de l'Orcane, c'était leur divinité, tout ça. Et un jour, en fait, en utilisant ce truc et en faisant un rituel avec tout le peuple nain, afin de créer leur nouveau golem dieu, tu vois, un robot gigantesque Gundam qui serait aussi une divinité, car imbu de magie divine, un robot Gundam. Imagine un Gundam que tu contrôles, qui est capable de manipuler la réalité, tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est bourrin. Voilà. Et en fait, au moment de créer ce golem et de l'activer, ils ont zéro somme. C'est-à-dire, ils se sont annulés. C'est comme, imagine le monde étant binaire. Ton existence est 1. La non-existence, c'est 0. Et la divinité, c'est moins 1. C'est quelque chose qui est impossible, mais qui fait bugger un peu tout le merdier, tu vois. Imagine que tu voies le moins 1 pendant une seconde, et qu'en le manipulant, tu puisses arrêter des lunes qui sont en train de s'écrouler, changer la réalité, changer de sexe, devenir complètement pété ou tout ça. Tu vois, tu es un 1 qui manipule un moins 1. Tout le jeu du Shim, parce que c'est ça le Shim, tout le jeu du Shim, c'est de ne pas te rendre compte que 1 plus moins 1 égale 0. Parce qu'à la seconde où tu te rends compte de ça, Fred, en manipulant le Shim, donc en manipulant cette énergie divine,
il se passe que... Parce qu'à la seconde où tu comprends que 1 plus moins 1 égale... Eh ben, t'as out of existence. Et en fait, les nains, au moment où ils ont activé leur divinité en utilisant le pouvoir du chim et en utilisant la puissance de la pierre d'infinité, au moment où ils ont divisé par zéro pour créer leur dieu, eh ben, toute la race Dwemer, toute la race, dans tout l'univers, partout, voilà. Mais c'est genre, ils ont été déco, quoi. oui, c'est ça. C'est littéralement ça. Sauf... Il n'y a pas une petite exception ? Un seul Dwemer, un seul, parce qu'au moment où il y a eu la déco générale, le crash server pour les Dwemer, il était en Oblivion, c'est-à-dire il n'était pas sur ce plan de réalité, il n'était pas sur Nirn, il n'était pas sur la planète, il était en Oblivion, il était en train de faire des tests, il était en train de récupérer des plantes, je crois, ou une connerie comme ça. Et quand il est rentré, il a « Chérie, je suis de retour !» Ben vous êtes où les mecs ? Et du coup, il s'est retrouvé dans une ville fantôme peuplée encore de golems. Et les golems de Morrowind, d'Oblivion ou même de Skyrim, tu sais, les golems Dwemer que tu trouves partout là en machin, tu sais, et tout, sont un reste et un vestige de la preuve que les Dwemer étaient tellement technologiquement avancés qu'ils ont réussi à créer des âmes dans des machines, quoi. Pour dire à quel point c'est pété. Mais on n'a aucune idée de à quoi ils ressemblaient vraiment. Ah si, il y a des statues de partout et tout ça. Je suis en train de réfléchir. Ok, est-ce que tu vois Zeus dans Hercule, le dessin animé Disney ? Ouais. Voilà. Maintenant, garde sa coiffure, garde un peu sa carrure, mets-lui une toge et donne-lui une tête de d'elfe. Genre les oreilles pointues et voilà. Mais tu vois la barbe, l'espèce de barbe enroulée là qui fait des bananes autour du menton et tout. C'est la même. C'est des Dwemer. D'accord. Voilà. C'est sur cette explication de l'heure incroyable que je vais faire un bisou à tous les gens qui regardent la vidéo pour couper cet enregistrement. Ah merde, attends. Très bientôt. Coupe rien. Attends, il y a encore un truc. Coupe rien. D'accord, j'ai pas coupé. Coupe rien. Accorde-nous 5 minutes d'extension parce que là on est allé beaucoup trop au sud et il faut qu'on parte à droite pour essayer d'aller voir, ne serait-ce que pendant une seconde, la ville des champignons. On leur a promis ça, on va pas leur couper les couilles. J'ai fait des promesses. Oui, mais moi la différence c'est que je les tiens. Go, on parle mal. Oui, mais j'ai rien promis du tout moi. Moi j'ai promis. Et tu veux aller où du coup ? Alors c'est juste à l'est, donc à droite de notre position. Mais c'est pas à l'est dans les... C'est pas le petit chemin avec les îles là, dans les îles ? Si, c'est exactement ça. Bah alors pourquoi vous allez là-bas vous ? Parce que je vous attendais là pour partir dans le bon sens. Je me suis perdu, bah va dans le bon sens, par devant si tu dois montrer le... Si tu dois montrer ça. Si on y va à toute vitesse dans 30 secondes, on y est de toute façon. Oui, c'est vrai, c'est pas... Parle pas mal du jeu. Non mais du coup, je me retrouve avec une vidéo de 3 heures. Eh ben écoute, écoute, l'espi c'est pas la fin du monde, ils sont contents. Ah non, c'est pas... Et je suis désolé pour cette explication qui était un peu longuette sur tout et tout ça, mais c'est juste pas, c'est intéressant. C'est juste marrant d'imaginer que toute une race qui technologiquement aurait pu pulvériser tout ce qui existe sur notre putain de planète, qui littéralement a atteint un tel état de divinité qu'ils se sont annulés, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ils se sont, tiens, voilà. Oula, c'était quoi ça avec un plus sur la map ? Ça a l'air d'être... Alors, apparemment, on me dit que la nouvelle épreuve de Morrowind, c'est un énorme boss Dwemer. D'ailleurs. Ah, intéressant. Oh la vache, mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Est-ce que c'est censé ressembler à ça ? Si. Parce que ça n'a pas la même gueule que dans mes souvenirs. Enfin, c'est un champignon, on est d'accord, mais. Mais du coup, ça. Attends, on n'est pas. On ça est ressemble pas en salle de la fabrication. Ça a l'air d'être un donjon plus qu'une quand ville. Ils sont là, tes champignons, alors regarde, ils sont là devant. Ah, d'accord, pardon, excuse-moi. Bah, dans ce cas-là, c'est quoi cet espèce de truc gigantesque ? Reviens, Fred. Quoi, question ? Reviens, Fred, il y a une entrée là. Oui, mais on s'en fout, ça, c'est un donjon épique, ça. D'accord, bah, laisse tomber. Je sais pas, je peux rentrer, moi. Oui, non, mais on peut pas y aller. C'est parce qu'on va voir. La ville, on la voit, voilà, c'est ça, la ville Telvanni. Putain. C'est joli comme tout. Oh là là. Et surtout, ce qui est intéressant, il faut savoir, dans Morrowind, qui est un jeu hardcore et qui ne te tient pas la main et qu'on a absolument rien à foutre de savoir si t'as sauvegardé il y a 3 heures alors que t'es mort comme un connard contre un espèce de mob level 2, hein, c'est sans pitié, hein. C'est le jeu, il te traite comme un adulte, tu vois. Tout le monde est là, ah oui, Zelda, Breath of the Wild, enfin un jeu un peu dur. Ouais, c'est ça, apprends à jouer Billy, puis on revient. Mais ce que je veux dire, c'est dans ce jeu-là, il faut savoir que les Telvanni sont des mages et ils ont le plus grand dédain
pour tout ce qui n'est pas magique, ou tout ce qui n'est pas mage, pour eux des esclaves au mieux. Et donc, dans la ville, dans les villes Telvanni, dans Morrowind, tu étais obligé, et je dis bien obligé, de connaître au moins un petit sort de lévitation pour pouvoir te déplacer. Parce qu'ils n'ont pas d'escalier, ils volent en fait. Ils en ont rien à foutre. Ils font pas d'escalier. Eux, tu sais les fameuses passages pour handicapés qu'on te force à construire à chaque fois que tu fais un bâtiment oui. public ou officiel. Eux, ils en ont rien à battre. Si l'handicapé, il est incapable de voler avec la puissance de sa magie et de son esprit, c'est un cafard qui n'est même pas digne de nettoyer leur chiottes parce que leur chiottes est à construire. Donc voilà, c'est... Non mais quand force à construire, donc, tu vois ce que je veux dire. Et ça du coup, on voit bien que c'est une astuce, voilà, de The Elder Scrolls Online. C'est de créer un truc de magie téléportative, voilà, parce qu'il y a pas de. Mais voilà, tu vois, on est à l'intérieur du grand champignon. Et d'ailleurs, les architectes Telvanni, qui ont leur sort magique personnel et privé pour créer leur champignon, qui ne se les partagent même pas entre eux. Hein. C'est pour te dire, hein, c'est un truc de fou. Hein. Tu peux même pas trouver les plans sur internet. On les appelle des mage mycélien, mycélionien, je sais plus. Mais il y a mycélium dans le tas, tu vois. Vous avez pris la retraite du magistère, non? Vous êtes où, là? On est dans la tour champignon, nous, on a... Ouais, pareil. On doit y avoir un endroit, un gars qui vend des emplacements d'inventaire. Peut-être. Je sais même pas pour où faut repartir. De toute façon, je pense qu'on va arrêter là. Hein. Oui, on va être bien. Là, je m'assois. Voilà. Alors les gens sur le chat aussi qui disent les potions de lévitation ça marchait bien. Oui mais c'est pour les plébéiens hein, les potions de lévitation. T'apprends le sortilège comme tout le monde. Surtout que ça demandait vraiment pas vous beaucoup avez de les skill. Mains quoi. Un peu épaisse. Par contre tu vois l'alchimiste à qui je viens de parler qui est une vendeuse de matos. Le premier truc qu'elle me dit c'est vous avez les mains un peu épaisses vous seriez pas un roturier. Tu vois direct hein, direct. C'est aussi tout le charisme des Telvanni. C'est pour ça. Où est Crane par contre? Il est à l'étage. Il est dehors. Non, il est à l'étage. Merde. Non, moi je suis en train de grimper sur des trucs. il a monté sur les champignons. Il est monté tout en haut des champignons, ça veut rien dire. C'est validé. Bah, du coup, brave Jean, je propose qu'on s'arrête ici. Je voulais montrer ça, voilà, parce que c'est intéressant. Ça fait partie du charisme de. Oh, salle des adeptes, entrée par effraction. Attends, là, Crane. Dans la salle. Attends, t'es où? Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. C'est où? C'est derrière, c'est là-bas. Tu vas réussir? Je sais pas. Pénètre. Ah bah du coup c'est ouvert pour moi aussi. À présent, ce sont les gardes qui vont vous mettre dehors. Elle me parle mal, mais je suis toujours caché. Je crois qu'elle vient de nous envoyer des gardes. Non, elle nous provoque, mais elle nous a pas vus. Elle dit de la merde. Si, moi elle m'a parlé. Hein. À présent, les gardes, moi elle m'a pas parlé parce que je suis toujours considéré comme étant caché. Si, elle a dit qu'elle va nous envoyer des gardes. Allez, pourquoi je peux plus frapper? Oh merde! Ah, parce que c'est des NPC gentils. Merde, c'est des gentils! Ah, butez-les tous! M'empêche. Ouais, non, il faut pas. Non, mais c'est trop tard. J'ai activé l'option, je peux pas les taper. Mon ours, il peut les taper. Fouille-le! Vas-y, je peux healer mon ours. Oh, vas-y, prends son siège, regarde, je suis installé, je lis ses livres et tout. Putain. Un nœud marin encadré. C'est boulier, je pourrais lui prendre un boulier. Pas très fort en plus, on peut le niquer. Ouais, t'as vu, ils valent rien. Les mecs, ils liftent pas. Et oui, il fallait boire. C'est dommage que ça compte quand même quand c'est mon ours qui tape, ça aurait été bon pour moi. Boire, je veux boire son truc. Vas-y, Fred, aide-moi, pisse sur les murs. Votre inventaire est plein. Merde. Attends. C'était bien, voilà, tu veux finir sur un meurtre. Oui. Mais non, mais sur une entrée par effraction pacifique. Voilà, du thé aux fleurs. Putain, je peux pas l'attaquer. Ah, ça y est, on a tué tout le monde, c'est bon. C'est bon? C'est clean? Ah, bah voilà, l'autre elle était là, les gardes, oui, mais des Panzani, tout ça. Puis au final, elle s'est fait. C'est bon, moi je m'assois là-dedans pour finir. Oh, attends, j'arrive. Attends, viens là, il y a la table, regarde, tu t'installes. Non, regarde, ici, là. Il y en a plusieurs. Ah non, merde, on peut pas. Ah, je vais faire celui-là, moi. Voilà. Ah non, tu t'assois pas sur moi? Oh là là! Attends, regarde. Les mecs, ils ont quand même assassiné tout le monde, ils s'en foutent et ça joue du luth. Voilà, on est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Par contre, ils nous ont pas trop attaqué. Il fait du pipeau. Vas-y, fais du tambour. Slash drum. Vas-y. Voilà. Voilà, impeccable. Et bien sur ce, on peut terminer là-dessus, brave Jean. Là, tu peux terminer ta VOD. Là, c'est propre. Là, on aime. Ça va. Allez, bah, c'était cool en tout cas.
C'était très très cool. Merci infiniment, c'était super. On a tapé des trucs, c'est déjà pas mal. Les trucs, c'est l'essentiel. Essentiel. Il était sympa le donjon, le grand donjon. Hein. C'était très bourrin. Il y avait des mobs de partout. Il y avait de l'espace. Il y avait, ouais. Benzaï est mort, enfin je veux dire, c'était ça valait. Moi aussi, hein. Toi aussi, hein. Oui, moi tout aussi, c'est pour ça tout le monde est mort. C'est ça, c'est ça. Parce qu'on est un groupe de péons. C'est ça. Qui jouons du luth alors que les gardes nous recherchent dans une ville dans laquelle on vient. Enfin, dans un. Entrer par effraction dans une salle avec des mages complètement innocents, on les a butés, mais non, on fait de la merde. C'est pas normal qu'on soit considérés comme des hors-la-loi alors qu'on a tué. Voilà. Moi, je dis ça. Je suis complètement d'accord. Ils étaient pas innocents, ils étaient Telvanni. Maintenant, c'est fait. Allez, des bisous tout le monde. Ciao, ciao. Allez, salut, au revoir. Et voilà, les amis, on est là, on est à Vivec, directement en train de jouer du pipeau avec un PNJ. L'irrespect. Un PNJ d'ailleurs qui est une Altmer, c'est-à-dire une elfe blanche, hein, une haute elfe, qui est plutôt moche. Il faut le dire. Hein. Il faut le dire, il faut le dire. Elle est taillée un peu carrée. Et j'avoue, et ça danse devant. Waouh, regarde, ça se remue du croupillon. C'est un PNJ ou c'est un joueur, ça? C'est un PNJ. En tout cas, la fille, elle maîtrise les papillons. On est là, on est bien. Dans tous les cas, on va ouvrir. Ce serait énorme que le NPC il t'insulte au bout d'un moment. C'est ça. Où c'est que tu commences? Est-ce qu'un jour on arrivera à des trucs comme ça dans les que tu gagnes de l'infamie, tu sais que t'as les flics qui sont là, payer l'amende ou aller en tôle et tout. Lui, par contre, il est sublime. Regarde ce mec qui tient le plateau coupe saucisse viande. Avec une expertise. Oh là 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 là. Le mec, il est, on dirait qu'il est planté sur place. Dans tous les cas, on va ouvrir les coffres. Mon cher Grain, du coup, allons-y. Les caisses à couronne avec Mike. Justin, ça va aller vite. Le Khajiit. Attention, n'est pas, ouais, le Khajiit n'est pas responsable des bugs de Bethesda. Je vais voir si on peut le poser un peu partout, le Khajiit. Et ben moi, je vais acheter 15 caisses de la chaise sauvage grâce aux couronnes qui m'ont été offertes pour l'OPSP. Donc, tant qu'à faire, allons-y. Hop. Et je vais donc ouvrir les caisses à couronnes. Moi, j'achèterai une maison. Donc, je vous ferai un live, je vous montrerai. D'accord, le mec, carrément, Donald Trump immobilier. Ouvre la caisse, vas-y. Qu'est-ce qu'on a gagné? Oh, j'ai gagné un chien. On commence par ça. J'ai un ragoût vigoureux à couronne. De base, ça a pas l'air terrible. Ah, moi, j'ai un pierre caméléon une à couronne. Une potion poison mortel. De triple restauration à couronne. Une leçon à couronne, charge de monture. Et enfin, celui-là, il était bleu. Un chapeau à fleurs écarlates. Oh, c'est stylé. Attends, les ouvre pas trop vite. À moi, attends. Hop. Vas-y. Rer. J'ai gagné des marques faciales. T'as eu un petit chien, toi. Ouais, j'ai eu un petit chien. Et j'ai des marques faciales. C'est cool, mais c'est du truc bossmeur. Et j'ai des plats des gourmets, donc allons-y. Je t'en prie, à ton tour. Non, j'en ai qu'un, moi. Vas-y. Ah, d'accord. C'est fini, moi, déjà. Allons-y. Oh, il m'en a donné une bonus légendaire. Attends, voyons voir. J'ai un familier pacifique qui est un porte-mort. C'est très moche, du matériel. Une leçon à couronne, charge de monture, cool. Ah ouais, matériel. T'as eu... Oh. Et attention, le gouard de la chasse sauvage. Oh là là, j'ai un gouard portatif. Si ça, c'est pas stylé, c'est une monture. Hein. Je suis... Bah ouais, t'as eu celui qui a eu Fred en un... Ah putain, je l'ai eu, et regarde ce qui se passe. Je viens de gagner le même tatouage que j'ai déjà gagné, donc j'ai gagné 5 cristaux de mes couilles. Et j'ai gagné du matos pourri. Rare. Vos récompenses. Donc ça, c'est de la merde. Et encore un familier qui se transforme en cristal. Oui, j'ai des couronnes, mais les couronnes, je vais les utiliser pour acheter une maison. J'achèterai une grosse des maison. Des poisons. Une réparation à couronne, très bien. Encore un familier pacifique, j'ai pas de chance, hein, parce que là, j'ai trois fois les mêmes cartes. Après, je sais pas combien il y en a de différence. Un chapeau. Waouh, le chapeau de la chasse sauvage bordé de racines. C'est ridicule, c'est formidable. Pour l'instant, Maïk le menteur, il me baise quand même. Hein. Encore le même chapeau. J'ai pas de chance hein, quand même, hein. J'ai plein de cristaux. Mais écoute, je pourrais peut-être acheter un truc sympa avec. Peut-être, oui. Mémento, aura de la danse des feuilles de la chasse sauvage. Oh, je peux avoir une aura, c'est stylé. Oups, merde, j'ai pas fait exprès. Attends, je reprends. Les caisses. Vas-y, Mike, sauce-moi. Rare. C'est sympa l'aura. C'est une aura de feuilles, quoi. Oh, y a un légendaire dans le tas. Ultra rare. Ça, c'est tellement chiant de voir la vidéo en décalé. Transformation de la chasse sauvage, mon cher Crane. Avec ça, on va être pas mal. Ah, attends. Ça a l'air classe. Tatouage visage de poupée. Des boissons rafraîchissantes. Donc, on me donne de l'alcool. Moi, je dis oui. Hop. Et attention. Rare. Grenouille dragon bleu des oasis. Waouh, une grenouille dragon. C'est familier, hein, c'est stylé. C'est de la merde, hein, mais c'est génial.
Mais ça fait toujours plaisir, ces trucs-là. Attends, moi, je vais mettre ma fabuleuse couronne à fleurs. Ah oui, oui, tu l'as, toi aussi, elle est sublime. Ah, attends. La couronne racine, alors, elle est gouttière. Réglage. Épique. Oh, j'ai gagné un soutien-gorge. Ah non, j'ai gagné des tatouages. D'accord, d'accord. C'est juste le mannequin est un soutien-gorge, en fait. C'est alors. Apparence, chapeau. Le même tatouage. Et je n'ai plus de caisse de la chasse sauvage. Il m'en reste une. Je peux encore acheter une. Ah, si tu veux voir à quoi ressemble mon chapeau. Attends, j'arrive. C'est juste à j'ouvre la dernière caisse. La dernière caisse de rare. Je pense qu'un bon ami, c'est John et John. Oh là là, il m'en... Oh, j'ai deux épiques. La cocufication est réelle. Oh, le chapeau à bordure. Et l'essaim de phalène ancestrale. Oh, je peux avoir des papillons qui me suivent. Ça, c'est stylé. Bon, bah voilà. Ah, t'as eu un bleu et deux violets, quoi. Oh là 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 là, là je sauce. Oh, elle est trop bien. Oh, le bonnet. Oh, le bonnet de la piscine, quoi. Ah, t'es divin. C'est ça. T'es divin. Ah, là, je suis splendide, là. Ah, c'est, t'es splendide, j'avoue. Les mots me manquent. Alors, attends. Chapeau. Seconde. Ah merde, attends, ils apparaissent pas parce que dans les options, je crois que j'ai pas les casques. C'est où dans les options? Oh, j'ai rien du tout en fait. Oh, réglage, gameplay. Oh! Voilà. Ouah, t'as un singe? Attends, attends, attends. T'as vu mon nouveau look? Je vois pas. Où est-ce qu'on cache le casque? Non, là c'est ça, impeccable. Ouah, t'as un squelette! Danse! Il faut que tu danses, sinon y'a pas de. Attends. Petite danse, slash dance. Oh là 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 là, c'est spooky. Spooky, scary, skeleton. C'est ça. Oh, c'est divin par contre le costume de squelette, j'avoue, t'as eu de la veine. Il est magnifique. Non, 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 c'est un truc que j'avais avant. C'est, en fait, je pense que c'est dans une mission que j'ai fait il y a très longtemps et tu peux garder certaines des transfos que t'as dans des. Ah, d'accord, comme alors. Dans des missions. Alors, je peux mettre un tatouage, fais voir si je mets un tatouage sur la gueule. Polymorph. Bah, d'ailleurs, c'est dans Polymorph, toi, t'as eu des trucs en Polymorph. Vas-y, moi. Attends, attends, j'arrive, j'arrive. Déguisement, j'ai des vêtements, très bien. Marquage corporel, j'ai des tatouages, c'est stylé. Dépôt, j'ai pas de peau. Personnalité, j'ai pas de personnalité. Polymorph, je n'ai pas de polymorph. Je n'ai rien du tout. Dans les meubles, j'ai rien. Ah, mais t'es sûr que tu... Mais si tu viens de choper un polymorph, t'es sûr? Non, non, pas non, non, attends. J'ai l'aura de danse voilà, j'ai l'aura de danse, voilà, c'est ça. J'ai des ouais. Auras de... Invoque une aura temporaire de la flash sauvage pour faire tourbillonner des trous. D'accord, j'ai d'accord. J'ai vu un truc. C'est temporaire. J'ai piège à ours, ah non, c'est transformation de la chasse sauvage. D'accord, elle est disponible dans 30 secondes. Ok. D'accord. Ok, ok, ok. J'ai mis un piège par terre parce que c'est lol. Parmi les montures, alors ça c'est le plus classe, c'est le gouard, je le montrerai quand on sera dehors. Les familiers. Alors les familiers, j'ai eu le chien. Voilà, j'ai un chien derrière, c'est un labrador. J'ai des papillons. Regarde, t'as des papillons qui te suivent. Si ça c'est pas stylé, je sais pas ce qu'il te faut. Regarde. Ça veut tellement rien dire. C'est absurde. C'est complètement absurde, c'est génial. J'ai le singe, j'ai une araignée de Wemmer, j'ai un chien de guerre de Wemmer, j'ai un porte-mort. C'est métal. Dans les emotes, j'ai embrasse mon cul, c'est légit. Un ours invoqué gris ardoise, pour ça il faudrait que je sois un gardien. Oui. Allez, dans les mementos, attention, transformation de la chasse sauvage. Ouah, regarde ça. Je t'ai perdu, t'es où? T'es où, t'es là? Stylé. Je suis devenu un arbre. Hey. T'es devenu un arbre? Bah oui, t'as vu? Transformation de la chasse sauvage, je... Ah, attends, classe. Vas-y, attends. Ah oui, non, je vois pas là du tout la même chose sur mon stream et sur... sur ton stream. Ah merde. Sur ton stream c'est classe. Sur le mien ça a quasiment rien changé. Ah d'accord. Bon, bah écoute. Non. Ouais. Mais moi sur le mien c'est classe. Donc je suis très content. Non, sur le tien c'est classe. Ouais, je s'appelle Bob. Voilà, il y a un respect. Oui. Et du coup poison affaiblissant à couronne. Putain, c'est quoi ces poisons? C'est des poisons. Poison mortel à couronne. Est-ce que je peux? Ah oui, tu peux convertir les objets en gemmes à couronne. Donc je vais faire ça sans doute parce que j'en ai rien à foutre de tous ces élixirs. Boisson rafraîchissante, ça fait que ça augmente ta santé. Tout ça. Repas fortifiant de caisse à couronne, ouais. Regarde, une fois que t'as ouvert des trucs dont tu te fous, comme de la bouffe ou quoi que ce soit, tu peux aller donc dans les caisses à couronne. Donc faut retourner voir Mike. Ouais, oui. Voilà. Et tu peux dire extraction de gemmes avec F. Et voilà. Veux pas créer des items pour avoir des vaincus. Potion de triple restauration rend masse de tout, donc ça c'est intéressant. Si je transforme, ça me donne 9 couronnes, c'est pas mal. 9 gemmes, bon, on va le faire. Écoute, ça, 5 pour 1, donc extraire tout. Voilà. Leçon de couronne, charge de monture, ça je vais pas, je vais le consommer. Fortifiant. Ah oui, c'est quand même.
quand même 400 gemmes, hein, les trucs que tu veux acheter, les gros trucs. Hein. Oui, oui, clairement, clairement, hein, ça. T'as quoi ? Récompense spéciale, récompense légendaire. Alors, chemin d'expérience, je le garde. Ah, ouais, guerrier. Non, c'est juste les spéciales qui sont à 400, sinon c'est 100. Étendard, jeune panthère, singe noir, ça a l'air mignon ça. Nécessaire de réparation en couronne. Tac, et j'en finis avec 65 couronnes. Et avec 65 couronnes, mon cher Crane, je suis sûr que je peux trouver des conneries assez marrantes. Tu peux acheter un truc épique. Si tu veux, tu peux acheter une chèvre noire. Tu peux avoir des cils améliorés. Les cils de ton personnage une peuvent panthère, être améliorés. Un lynx, un parchemin, statue d'Hircine, ça c'est stylé. Oh, un déguisement de docteur en toxine. Bébé Netch. Oh, je peux avoir un bébé Netch. C'est stylé ça. Un chargeur guar, une chèvre noire, je vois ça. Des cils, putain. Ah oui, un bébé Netch. Docteur en toxine, parchemin d'expérience. Docteur en toxine, c'est une tenue complète quand même. Ça. Prêtre de la falaise ancestrale. C'est un déguisement aussi. Ouais, c'est stylé. Armure d'éclaireur orc. Oh, c'est cool ça. C'est un déguisement qui te rend un peu classe. Une calotte emplumée, un truc en flanelle, crinière, mais ça c'est pour les cagites. C'était un gros mouleux, Fred, en fait. Ouais, grave, hein, grave, grave, grave. Déguisement de guerrier, déguisement de chaman et déguisement de chasseur. Ils sont assez stylés, ceux-là. Je vais peut-être prendre un. Tu d'éclaireur de l'est, de bord de ciel, de l'ouest, tête de matin, trameur de valboisé. Dans les belles récompenses, qu'est-ce qu'il y a ? Des boissons. Ah, il y a des livres de couronne, des trucs de monture. C'est ça te permet d'augmenter le ta vitesse de monture et trucs comme ça. Il faut aller voir un palefrenier et lui demander. Moi, j'ai chopé un truc comme ça. Bon, ça, c'est cool. Et enfin, c'est bien un truc comme ça. Bon. C'est marrant de voir fouiller dans ton petit coffre. Oui, mais je mate et tout. Qu'est-ce de fourniture, très bien. C'est quand même sympa. Ouais, allez, hein. Je vais me... C'est quand même sympa. Ouais, non, c'est cool. C'est pour ça. Les gemmes à couronne. Après, faut voir ce que tu veux, ce qui t'intéresse ou comme ça. Mais moi, je pense que je vais me prendre peut-être un déguisement stylé, déguisement de chaman, déguisement de chasseur. Donc, je vais prendre le déguisement de guerrier, nez d'hiver et puis basta. Allez, boum. C'est accepté. C'est rajouté dans les collections. Je le prends. Je vire ce chapeau absolument ridicule. Voilà. Nous ça me bien met un casque et des roulades avec des petites traînées. Putain, par contre, j'ai le casque de Magneto. Oh là 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 là. C'est vrai, le casque de Magneto, quoi. Il est présent. Avoue, il est présent, ce casque. Tenue de gardien. Déguisement de guerrier, c'est ça. On voir les montures et vêtements en cliquant dessus. Genre là-dessus. Non, tu peux pas voir. Apparence. Polymorphe. Non. Bah là, par contre, je suis un guerrier de RPG, là. Là, ouais, je sais pas, pas mal. Je sais pas ce qu'il te faut, mais... Voilà, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut sortir à l'extérieur pendant une seconde juste pour aller voir si je peux invoquer le fameux Guar ? Ou attends, non, monte à l'étage. Monte à l'étage et on va tenter d'aller teindre nos armures à la con. Ah oui. Pour il le faut LOL. Absolument que je teigne mon armure là. Parce qu'apparemment, voilà, c'est un. Me c'est trouve un peu pâle. Déguisement, attends, je vire ça. Hop. Et il est où le truc pour teindre les armures ? C'est au même endroit où on a acheté. Attends, non, attends, je dis la merde. C'est. Le gauche, ouest. C'est là, c'est... Atelier teinture. T'es oui, juste c'est... en face. C'est en face. C'est ça. Atelier tailleur et teinture. Allons-y. Tu veux teinture le squelette ? Non, non, on va. Je vais me remettre normalement. Alors, donc ça, c'est une joueuse. Une joueuse qui est bien roulée en plus. Ça, c'est des mecs qui bossent en slip à son truc de teinture. Il n'y a pas de problème. Tailleuse. Qui est le teinturier ? Anneau de Saint-Holme, non ? Putain, ça doit être la teinturière. Trouve la teinturière, je l'ai perdue. Elle. Iva, elle. Non, ça, c'est tailleuse. Oui. Magasin tailleuse. Elle peut pas... Attends, on est bien au bon endroit. Ouais, mais elle vend des robes et tout. Bah, pourtant, atelier de teinture, ça me dit la même chose. Devant la joueuse. Ah, c'est l'atelier. Il faut d'accord parler à l'atelier de teinture. Ok. Ah, le pinceau et le seau vous permettent d'appliquer des teintures à votre armure. La gomme et la pipette vous permettent respectivement d'effacer la teinture de certains espaces et de la copier d'un espace à un autre. Mmh. Quand vous obtenez une teinture, l'icône est retirée. Vous pouvez faire un clic droit sur la teinture bloquée pour voir le succès nécessaire. D'accord. Tu vois, en fait, quand tu fais des succès in-game, ça te débloque des teintures potentielles. Mais moi, je m'en fous parce que j'ai rose jacinthe. Et ça, mon gars, c'est quand même... Qu'est-ce que tu... Alors, comment tu fais, par contre ? Équipement. Alors, toi, t'arrives à atteindre des trucs ? Oh là 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 là, j'ai teint ! Alors, ah oui, mais parce que je dois mettre là. Ouais. Teindre tout. Ça m'a l'air bien, ça. Merde, attends, c'est l'inverse. Magneto, c'est l'inverse. Ouais, ça, c'est parfait, ça.
Avec un vert, voilà. Oh là là, je suis Magneto mais rose. Ah là, ça c'est magnifique. Ça. Je suis rose Netto. Oh là 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 là, tu vois, enfin, il va être... Attends, quoi qu'il a un bleu foncé. Magnifique hein. Avec ça. Si je m'abuse. Serait... Non, attends, il attend. Attends, Magneto, c'est un espèce de violet bizarre cheveux foncé. Je crois que c'est ça. Et en rose comme ça. Quoi, c'est nacré ça. Oui, je vous confirme le changement. Je pense que là, il y a du. Hein. Là, il y a du niveau. Là, je pense que c'est là, que je fais est splendide. Voilà, je pense si que j'inverse. Et qu'ensuite je mets. Ouh là 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 là, j'avoue, là quand même il y a une qualité. Alors quand tu vas voir ça. Alors par contre elle est stylée hein, avec son armure, j'avoue. Du jaune peut-être. Non. Ah ça c'est le mieux que j'avais. Si seulement j'avais du rouge, si seulement j'avais du rouge, je pourrais faire Magneto quand même. Ah, je... Moi j'ai un truc un peu rouge, mais c'est vite fait. C'est vite fait. Attends, quoique Magneto, il a du violet là en fait. Ah mais je me suis planté. Attends, attends, j'ai besoin d'une image de Magneto. Magneto. Ah bah voilà. Si je tape ça, image, fais voir un peu la gueule qu'il a. D'accord, c'est violet accepté. Rouge en fait. Ok, d'accord, je me suis complètement. Voilà. C'est bon, moi j'ai mes couleurs. Je suis splendide. Attends, bah attends une seconde, j'ai besoin de quelques instants. Ok, et là, il a besoin de rouge. Donc ça, c'est violet. Verrouillé. Ah voilà, là, je suis bien. Je pense que là, je jalouse. Là, c'est Magneto. Là, c'est Magneto. Fais voir un petit peu. Oh là 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 là, on dirait World of Warcraft. C'est très, très Illidan comme code couleur. C'est pour ça. Regarde ça vénère, ça praise. Ils ont compris qui était Swagnido. Attends, est-ce que je peux croiser les bras? Slash cross. Non, attends. Slash arms. Cross arm. Ouais. Arms cross. Ah, c'est très rigolo, c'est vrai que t'es. Oh là 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 là! Swag motherfucking ouais, Nido! Voilà. Swag Netto, mon gars. Il est là. Il est sublime. C'est les vraies photos. Et ben voilà. Moi, je peux terminer là-dessus. Je suis content. T'es ultra stylé en plus, comme ça, avec ton casque, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Ouais, en plus, toi, ouais, avec la couleur verte et violette, c'est vraiment World of Warcraft, toi, en fait. Hein. C'est du rose, du violet, oui, mais... du rose, du vert et du... Oh. C'est ça, mais à vous, ça fait goût, très... Un goût certain. Ça fait très Illidan, tu vois, ça fait très... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Moi, c'est Swagnito, mon gars. Hein. C'est Magneto, mais Magneto 2017. Magneto qui promeut l'amour et le respect... Entre exactement. Les personnes, exactement, voilà, ça vénère, ça praise, chers amis. Ah, il est bien ce Magneto. Ah, c'est ça. Et sur ce, on termine là-dessus en jouant, bien évidemment, le pipo. Des bisous et à la prochaine. Le pipo. Tu veux faire un petit peu de flûte? Bah, le pipo, il est goldé, le pipo. Ce pipo, il est absolument goldé. Allez, moi, je vais faire un petit peu de The Soul. Allez, bonne chance à toi, en tout cas, mon cher Crane. Des bisous et à la prochaine. Allez, zou. Ça veut rien dire. Cette cacophonie.